Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfank pour un nouvel épisode de Raft avec Antonin. Antonin qui n'en pouvait plus, il était pressé, il avait un truc incroyable à vous entrer. Vas-y Antonin, pose tout. Vas-y, lâche-toi. Technologie. Une antenne, ça sert à rien. Ah ça, ça sert à quelque chose. Ça c'est bien. Ça aussi c'est pas mal. Comment ça sert après? Voilà, et maintenant, il vient de te dire, voilà, il t'écrit. Trop proche du récepteur. Et non connecté, non connecté. Il te faut deux antennes de plus. Voilà, fin de l'épisode, merci, au revoir, bonne journée. C'est que sa mère. Un pouce bleu. Moi, je te rappelle que il y a, y a une île droit devant, mec. Hein. Il y a moyen de se gaver le reste. Mais tu pouvais la laisser. Tu pouvais le laisser, hein, ceci dit. Hein. C'était pas le problème. Hein. Tu pouvais le poser. Bougez pas. Ok. Yes. Et puis je te rappelle que du coup, il faut que tu te prépares un arc dans l'histoire. Il me faut. Yes, alors ceci dit, attention hein, pour l'épisode absolument incroyable, le lit du Knarfang. Hein, voilà, j'ai un vrai lit. Ouais. C'est la nouvelle innovation. Et pour fêter ça, du coup, je ne mourrai plus jamais. J'sais. Ah, mais l'arc c'est bon, je suis con, l'arc c'est moi qui l'ai, il me faut juste des flèches. Yes, bah je vais te faire ça. Il faut un lingot de métal ou des pierres si on fait des vieilles flèches. Vieilles flèches, mon cul, c'est du poulet bio. Hein. On arrive sur une île, on va trouver du métal, il n'y a pas d'embrouille. On aura des vraies flèches. Parce que c'est pas comme si t'avais claqué en environ 80% du métal pour me faire des lances d'avance. Yes. Ah ouais, en tout cas on va être peinard pendant un moment. Ah bah merci le Zio. Tu sais qu'il en reste déjà plus qu'une hein. Non t'es pas sérieux, t'as une consommation folle. Ok donc j'ai des flèches, j'ai un arc, mais je te pose tout dans mon coffre. Bah non tu sais quoi, je vais tout te mettre avec la lance. Puisque c'est toi qui iras chasser, je pense qu'il y a quelqu'un qui veut manger un morceau. Ah non, visiblement non. Oh là, oui effectivement on a un petit, supplément. Pourquoi on a une patate entamée? C'est quoi ce truc? On a une pomme de terre crue qui est genre endommagée. Quoi? Très étrange. Oui monsieur. Non mais je pense que c'est un bug comme moi qui voit pas l'eau dans les récolteurs. Oui je pense aussi. Mais c'était cocasse. C'était cocasse. Qu'est-ce que je cherchais? Oui, poser ça, ça. On est à l'arrêt. Ok. Si on est à l'arrêt, très bien. Ouais, bah si jamais, ouais. Bah le souci c'est qu'on n'est pas bien accosté quoi. Y a quelqu'un qui bouffe un bout en bas. Hein. Yes. En fait, faudrait juste récupérer hein, de métal vite fait. Hop, là j'envoie deux ferrailles. Hop. Ok, j'en ai une, mais ouais, le problème c'est que du coup j'ai plus de crochets. Nice. Il y en a qu'un requin ou deux Attends. Mais nique ta mère. Tu m'attaques pas. Il faut que tu me récupères une ferraille là, juste devant là. Là, tu plouffes là, tu vois le pot d'échappement là, il faut que tu me le récupères. Yes. Super. Le pot d'échappement, s'il te plaît. Nice. Et je sais plus pourquoi j'en avais besoin. Ah oui, je me souviens. Mec dissident. Je t'ai fait plonger, j'ai t'ai fait risquer ta vie pour je ne sais plus quoi, mais c'était très rigolo. Par contre, moi, si t'avais ma caméra, ça ressemble de plus en plus à Claude Hollande. Hein. Le mec n'a plus rien, il a plus de crochets. J'ai une hache. Voilà, c'est bien. T'as pas une pelle aussi qui doit traîner? Oui, si, tiens, tu sais quoi, je vais la mettre dans ma liste, comme ça je referai genre j'ai quelque chose. J'ai quelque chose! Je vous jure, madame, j'ai quelque chose. Tiens, d'ailleurs, aussi pareil ici, parce que moi j'en ai marre de me croûter. Oh là. Alors, il me faudra deux boulons. Yes. Pourquoi faire? T'as fini de me demander des trucs pas possibles. Je nous empêche de tomber. Ah, pas mal. Il y a un concept, Il y a un concept, hein, éviter de se croûter. C'est vraiment conceptuel. Hein. C'est vraiment une idée de con. Yes, voilà. Paf, et c'est joli en plus. Non! Si, je sais. C'est faux, il m'a pas niaqué. Alors, en tout cas, maintenant tu peux accéder normalement là-haut. Avec un escabeau, l'escabeau. De toute façon, tout le truc qui nous sert presque plus à rien, tu vois. Presque. Oui, parce qu'entre deux, Orcam, t'es méchant, t'enlèves des bonus aux épisodes des gens là. Il y a des choses qu'ils ne voient pas du coup. Il avait qu'à être présent avec nous, voilà. C'est vrai. Comment? Tiens, t'as l'escabeau si tu veux y aller. Hop, le bon mood. C'était pas le bon mood. Je vais mourir de quinquin. La quinquin vision. Oui, mais alors attends, avant d'exiger quoi que ce soit, moi j'aimerais bien quand même me refaire un crochet.
Parce que ça veut dire que quand tu tues les requins, sinon je ne peux pas. Je ne peux pas t'accompagner pour faire de la récup là, on en est quand même à ce point là. On est au point où vraiment je ne sers plus à rien. De quoi? Me faire niaquer. J'étais parti chercher du mieux. C'est bien triste. Et bien, je suis pas désolé pour toi. Ah bah attends, avant de sauter, je vais encore récupérer un peu de bois. Ah, c'est les épisodes de récupération de bois. Du coup, il faut 3 antennes. Il faut 3 antennes et il faut les poser à distance du récepteur. Voilà. Tu sais tout distance, monsieur. qu'est-ce que distance hein, en vrai terme. Mais qu'est-ce qu'il n'y a que là? Ça veut dire à quelques mètres de. Au moins à quelques mètres. Mais Clarfang, au secours. Quoi? Viens voir où il a niaqué. Bah, il a niaqué un récupérateur, c'est ça? Non, viens voir. Oh, il y a un trouillou là. Il a niaqué. Hein? Ah oui, non, mais oui, mais tant que c'est pas renfou, ils en ont rien à foutre. Hein. De toute façon. Ils en ont plus ah, rien à ils attaquent péter. Pas ce qui est renfou? En fait, ils évitent d'attaquer ce qui est renfou au début. C'est quoi ça? Ah, c'est 4 ferrailles qui traînent par terre comme ça. Ouais, mais oui, je les ai donnés, mais tu m'as ignoré. Ah oui, non, mais bon, je suis en train d'essayer de réfléchir à comment on coupe du c'est bois sûr déjà. Que ça marche, hein. Ouais, il me faudrait un métal aussi maintenant pour me faire mon boulon. C'est ça. Ah, il me faut encore 2 ferrailles, putain, il me faut encore 2 ferrailles et un boulon. Ouh. Demain c'est loin, hein, comme on dit dans le milieu, non? Yes? Peut-être. Et bien, yes. Alors, c'est Passion Bout de Bois Simulator. Hein. Et c'est le gros du boulot du jeu. Hein. Et ça a l'air chiant comme ça. Mais quand vous avez la capacité de pouvoir planter autant de bois, c'est quand même formidable en vrai. Ah, tu m'expliques ouais. Comment on fait de la triangulation avec un micro-ondes? Parce que le Japon. Ah, oui, c'est vrai. Yes. Le Japon a des excuses formidables qui s'appellent. Les scénaristes japonais, c'est quelque chose d'assez incroyable. Faut le Après, voir le micro-ondes, il sert juste d'ordinateur. Hein. Et tu dis que c'est un micro-ondes, mais ça pourrait tout à fait être le sonar d'un navire. Mais ça ressemble pas à ça, putain, un sonar. Alors, encastré, propre et joli, oui. Une boîte quelconque dans un vieux bateau, ajouté dans un vieux bateau de pêche, si, il y a moyen. Il y a moyen non, de moyenner dans la moyenne. Non, ça ressemble minimum à un écran, les vieux écrans... Ouais, quoi, il est magnifique, un là, dedans, ah oui, hein, c'est un vrai micro-ondes en plus, non mais j'ai rien dit. C'est un vrai de vrai. Par contre, tu sais que tu peux déjà poser ta batterie dessus, hein. Ça changera rien. Juste... Ça n'utilise pas la batterie? Non, il faut que tu l'allumes pour que ça te pompe la batterie. Ok. Donc je devrais galérer avec ça à la main. Je dis quand même, on va lui dire parce qu'il a l'air con. Un peu. Non, mais je pensais que ça l'utilisait quand même, tu sais, genre comme quand tu mets des piles dans une lampe torche, ouais, j'utilise quand même, tu vois, même quand c'est éteint. Pourquoi? Parce que le non, Japon. Mais... ouais, tout à fait, complètement. Complètement, mais bon. Mais pas. Bon, pourquoi on se fait chier à être là, à cette distance là du caillou là? Ça m'énerve moi. Pourquoi je m'embête à vouloir sauter alors qu'il n'y a pas besoin de s'embêter à vouloir sauter? Il suffit juste de. Attends, ça tourne. Ah, au secours! Je vais mourir! Yes, bah yes. Cool. T'es mort ou pas? Ah presque. Oh. J'ai 4 métal. Yes, bah c'est cool. Bon bah si tu meurs pas pendant ce temps-là, t'es à la mer ou pas? Ah ok d'accord, bon je vais faire demi-tour alors. Hein. Je suis en train de me dire s'ils sont sur toi, je vais en profiter, je vais aller récupérer le tonneau qui est là-bas. Mauvaise idée. C'est le requin m'a juste dit, hey, je t'ai vu. Il m'a dit que c'était pas une bonne idée. Donc tu m'as dit que t'avais du métal pour moi, parce que tu penses qu'il est à fondre. Il a fondre. Ah oui, c'est du métal, ok. Et ferraille, t'en as pas deux? Deux? T'en veux que deux? Ouais, que deux. Vraiment juste compte, deux pour commencer. Combien il y en a? Vas-y, merci à la chance. Yes, bah deux. Bah juste, il y en a deux, quoi. Ouais. Juste ce que j'ai demandé, en fait. Je vois pas ce qui est incroyable. Hein. Bah, le fait que j'en ai récupéré que deux, parce que... C'est ça. Juste la taille de ta chance, quoi. Pour parler que de ça. Bien sûr. Je vais dormir. Incroyable. Alors ça fait quand même navire de clodo pour l'instant, hein. Mais ce navire de clodo en vrai est très solide sur ses appuis. Ça n'a pas l'air, mais il est extrêmement solide sur ses appuis. On attend et on espère beaucoup de lui. Ok c'est bon, j'ai un crochet métallique, je suis moins ridicule. C'est pas mal. Idéalement je garderais bien les deux lingots. Pour
pour je sais même plus mais pour un truc hein. Vraiment vraiment on y croit à mort. Pour faire quoi déjà? Pour aller où? Poulailler. Elle est où la poulette? Il y a deux requins maintenant. Yes, cool. Qu'est-ce que je veux dire? Donc ouais, pour me refaire des me refaire une hache à l'occasion. Oh. Ah non. Oui, c'est bon. J'ai mis ça pour pas tomber, j'ai réussi à tomber. Mais c'est vraiment incroyable. Hein. C'est vraiment incroyablement nul. Ouais. Allons, cassos. On part? Ça fait longtemps que tu ne l'as pas dit, donc moi je me suis dit oui. Non, mais juste, j'espère nous décaler un peu. Est-ce que tu as encore une pagaie? Est-ce que tu peux pagayer un petit peu pour nous ramener à... Voilà, par là, ouais. Exactement. Yes, bah, c'est pas grave, hein, il mange un morceau. C'est pas grave, hein. Nick, hein, il mange son morceau. On a du plastique, on remplacera. Hein. Non, mais on a du plastique, on remplacera. On s'en fout. Mec, il faut que tu pagayes. Non, c'est parce que j'essaye de les tuer, en fait. Hein. Yes, mais il faut que tu pagayes, poulet. Yes, yes. Alors par contre, stop la pagaille. Stop la pagaille un peu pour voir. Yes. Vas-y, pagaille, mais dans l'angle. Genre, tu veux vraiment nous ramener. Yes, un petit coup à gauche, s'il te plaît. Yes, pas mal. On est pas mal. On encore un peu. Vas-y, pagailler. Et c'est bon, monsieur. Parfait. Et là, on se galère plus. Comme quoi, la pagaie, c'est vraiment la vie. Hein. Quoi? Ah bah si, on se galère complètement, quoi. Comme quoi, les maths, c'est vraiment bien. Hein. Je vois pas le rapport avec les maths. Je m'énerve. Ah, je m'entends écho chez toi. Ah non, je m'entends plus en écho chez toi, c'est dommage. Je suis mort. T'es mort? Vraiment? Mais non. The Water. Les requins m'ont mis de life chat. Mais non, pourquoi? Mais moi, je veux pas venir te chercher. J'ai pas envie. J'ai vraiment... Juste, j'ai pas envie. Je pense que je trouve quelqu'un d'autre pour continuer l'aventure. Sinon je relance Raft à partir d'un autre compte Steam. Comme ça je peux venir me chercher tout seul, tu vois. C'est tellement ça. Yes. En plus les requins ils sont en train de tout bouffer. C'est excellent. Ah, c'est le moment de venir te chercher. Alors t'es où? Ouais, c'est juste bon. À côté. Yes, j'ai trouvé. Wow, ça fait plouf quand je t'ai posé, c'était très rigolo. Alors on va remettre ça ici. Ah, mais ça te rend mais tellement plus de points de vie. Ah ouais, c'est la vie, hein. Par contre ça coûte cher un peu le hamac. Ça fait un peu mal, mal quelque part. Hein. Bon bah moi je propose qu'on arrête de manger et de boire, hein. Ça sert plus à rien maintenant qu'on a les hamacs. Peut-être rendre les épisodes un peu plus intéressants. Après je suis pas sûr, hein. Je suis pas... Moi j'ai l'impression que les épisodes de merde ça plaît à tout le monde. Moi je suis pas convaincu. Est-ce que la vie du public c'est de la merde? Je sais pas. Ah, si jamais on peut peut-être leur proposer des aventures incroyables de testeurs de scénarios sur The Never End. Au public, ouais, sauf qu'ils sont pas censés connaître son existence pour la plupart d'entre eux. Pour à peu près 280 d'entre eux. Environ. Pas dire. Yes, bah c'est ça. Ou alors on va faire du Hero et Chaos, ça fait longtemps. Du Hero et Chaos, ça fait un certain temps. Hein. Mais bon, le nain n'est plus là. Hein. Le nain ne se connecte plus. Le nain s'est trouvé une meuf, une vie sociale, qu'est-ce qui se passe? Ah, le nain est devenu alcoolique comme toi. Ah ouais, mais bon, moi je suis quand même là, tu vois, je suis alcoolique. Putain, qu'est-ce que je picole d'ailleurs. Je suis encore là, moi au moins, tu vois, je suis... C'est pas très hamdoullah ce que je fais, hein, je vous préviens, c'est pas ouf, hein, faut pas boire tu, hein, pour ceux qui auraient oublié, c'est pas yimbe, hein. Ouais c'est ça. C'est pas dingue. Eh ben j'ai réussi à récupérer une plante, oui mais alors t'as fait un IRL ou dans le jeu, parce que t'es un adolescent, on sait jamais, c'est ça. Putain, c'est déjà l'heure de la récolte. Ouais. Bah c'est un épisode de bois en fait. C'est un épisode en bois. L'épisode commercial est terminé. Hein.
Ah bah attendez, attends quand même, je leur offre une découpe de bois, quand même ça peut se faire, c'est le cadeau de la famille, tout ça t'as vu. Un requin. C'est Oui. incroyable. Yes. Ouais bah j'ai déjà bousillé plus de la moitié de ma hache, hein, on va... Parce qu'en fait le problème c'est qu'il faut qu'on se fasse ce fond marin pour récupérer du métal et de la ferraille. Donc faut tuer ces requins. Pour tous ces requins, il faut des lances. Et que tu as bien sûr, parce que je t'en ai fait des tonnes, hein, bien sûr, donc t'en as toujours des tonnes. Là, il m'en reste qu'une et demie, hein. C'est incroyable. J'ai l'impression de travailler pour rien en fait. Tu Non, sais, mais en fait, les j'ai requins un en peu cette single. impression de travailler, tu vois, pour le fisc. Alors tu vois, tu bosses, mais on vient te siphonner tout ce que tu possèdes. Non, je déconne. Non, mais Trop genre, en gros, j'ai bureaucratie. l'impression qu'en mode normal, les requins sont trop fragiles et qu'en mode difficile, ils sont trop solides. Ah bah, et puis ils sont deux. Et puis ils sont deux. Non, tu sais, genre, déjà en difficile, il y aurait que les deux requins et leur point de vie ne serait pas augmenté, ce serait déjà suffisamment dur, tu vois. Oui, il est vrai. Bah écoute, il me faut deux métals, monsieur, pour te faire une. Est-ce que j'ai deux métals? Ouais, bah écoute, vas-y. Yes, bah j'ai une nouvelle lance pour toi, monsieur. Que je vais te mettre Merci. dans le coffre. Par contre, j'aurai pas de quoi refaire une hache, si jamais ça pète. Sauf que tu m'as collé du wabi ici. Ok, je récupère le wabi. Wabi de wabi. Et je te mets une lance qui est ici. Vous êtes ici. Ok, bah très bien. Ouais, bah fond des profondeurs. La profondeur du fond. Hop. Écoute, hein, on va suicider tour à tour. Hein. Je pense que c'est une bonne manière de mettre fin au jeu vidéo. Moi, je cherche surtout de la ferraille. Voilà. Yes. Où est-ce que t'es? Je te vois pas. Dans Non, l'eau. Tarfong, où est-ce que t'es? À proximité. Là où tu viens d'entendre. Non, j'ai pas entendu. Oh, mais il n'entend rien, hein. C'est terrible. Hein. Je T'es suis juste mort? devant le, oui, devant le radeau, mais bah là où t'étais à peu près. Je suis là. Je suis au même endroit où Ouais, je t'étais. te vois. T'es Voilà. magnifique, hein, Tarfong, dans ce niveau comme ça. Hein. Merci. Tu peux voir la reine mes fesses, qui veut remonter vers le haut, Non, qui veut pour moi, flotter. t'es. Pour moi, genre, tu t'y poses un petit peu. Ok. C'est concept. Bon, tu viens me chercher qu'on mette fin à l'épisode ou pas? Parce que quand Attends, même. j'attends juste 30 secondes qu'il n'y a qu'il y en ait au moins un qui n'y a. Parce que, comme tout à l'heure, Yes. j'ai pris un double tap one shot. Ah oui. Tu t'es fait double taper, ouais. Il s'est fait taper deux fois. Et que ça m'a tué instantanément, en Ok, fait, bon j'aimerais bah pas cool. trop que ça. Du coup, j'ai rien récupéré d'intéressant, c'est ça le projet? Ouais, ça va bien l'air ça. Si. Je vais quand même lancer un grand projet de construction incroyable avec du sable. Voilà. En sachant que je crois que j'en ai déjà trop du verre et tout, mais bon, c'est pas grave. On lance quand même ce projet-là. On dit que c'est un beau projet. On fait des bisous à YouTube. Et on leur dit qu'on reviendra Adieu. sûrement avec un épisode inintéressant pour leur plus grand plaisir. Évidemment. Des bisous.